dans l'industrie du jeu vidéo. Donc je ne sais pas si, à quel point il faut que je sois sérieux dans mon gameplay. Allez-y, laisse-moi alors. J'espère que c'est le 6 au moins. Thank you.
chaud. Ouais, je veux bien, mais quand même. Le résultat est assez confort. C'est pas évident. Ouais, on va changer maintenant de jeu, carrément. Parce que, évidemment, c'est pris une carte rose, donc on va essayer de faire jouer un jeu qu'il connaît. Il y a des jeux sur Harada. Ça sera Virtua Fighter. Un bon vieux Virtua Fighter. Ça veut jouer avec les orteils, donc je suis pas certain. Je précise à nouveau que cette rencontre est totalement exclusive. C'est jamais arrivé qu'ils s'affrontent sur leurs jeux respectifs. Ils n'ont jamais joué ensemble. D'ailleurs, je suis ultra fan de vous. N'hésitez pas à encourager votre favori hein, pour qu'il y ait un maximum d'ambiance. Personne ne fait ça. Ah, seconds you'll last. Are you ready for this? Fight one! Ready? Go! Go!
Merci Harada San et Suzuki San. Alors on va pas se quitter sur un malentendu quand même. Ils s'aiment beaucoup. Et d'ailleurs, après la guerre, vient la paix. Et nous avons également une grande surprise encore pour vous. Vous savez que le Japon a vécu des tristes jours, enfin vit toujours d'ailleurs des tristes jours depuis ce fameux 11 mars. Et aujourd'hui, nous avons décidé, avec tous les intervenants aujourd'hui, Harada, M. Hassel, Christophe Ferral et M. Suzuki, de proposer quelque chose de tout à fait extraordinaire. On a envie d'aider le Japon, de communiquer là-dessus, parce que la situation est toujours un problème aujourd'hui. Et donc, on a décidé ensemble de mettre aux enchères des objets particuliers. L'enchère de